Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième séance de renforcement musculaire. Depuis 3 semaines, on se donne rendez-vous sur le compte de GoSport. Ravie de vous retrouver. Donc, troisième rendez-vous. Vous me connaissez peut-être ou pas. Moi, je suis Suzy, je suis coach sportif et je suis également entraîneur au club d'athlétisme de Caluire. Je fais également partie de la team ASICS Frontrunner. Alors, aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous, notre dernier live. L'objectif étant de vous proposer des exercices en fait, qui vont venir optimiser vos qualités de coureur. Et on va essayer de donner une orientation cette semaine, notamment pour le trail. Et vous verrez jeudi que je vais vous proposer une séance spécifique, notamment quand on pratique le trail, mais pas forcément quand on a des objectifs tels que le marathon. Ça peut être aussi un travail qu'on peut ajouter dans sa programmation. Voilà, donc première chose, ben, je vous ai dit tout ça, c'est déjà pas mal. Soyez pas surpris, pendant la séance, je vais couper les commentaires parce que du coup, ça peut gêner, ça peut vous gêner. Mais vous avez des questions actives qui restent en place, donc vous pourrez me poser des questions. J'essaierai de garder un temps pour répondre au mieux. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire un petit mot sur mon compte Suzy One. Vous pouvez adresser un message à GoSport et j'essaie toujours de répondre aux questions qui sont posées. Donc pour la séance, ce que je vous propose, c'est d'aller préparer le nécessaire. Alors vous allez avoir besoin de 2 haltères. Pour ma part, j'ai pris des haltères de 2 kg chacun. Messing ball, il fait 3 kg. Et j'ai pris voilà, c'est une chaise, la chaise de mon enfant, parce que je suis maman de 2 petits garçons. Et ça, vous pouvez prendre un step ou le canapé. Peu importe, ça c'est vraiment vous. Donc je vous propose d'aller récupérer tout le nécessaire et vous me rejoignez sur le tapis tout de suite. Alors, je vois un peu les questions. Peu importe si c'est la première fois que vous faites la séance, tout ce qui est halter, medicine ball, tout ça, vous aurez des options qui vous seront données. Vous pourrez faire les exercices sans medicine ball, sans halter. Après, pour la chaise, c'est nécessaire parce qu'on va faire un exercice spécifique, mais sinon, je vous donnerai une option pendant. Donc, je vous propose de couper les commentaires. Et on va venir se mettre sur le tapis. J'espère que tout le monde est prêt et motivé. Et allez, on va venir se mettre sur son tapis. Donc, ceux qui ont l'habitude, déjà depuis 3 fois, donc on vient pour l'échauffement, on va venir se mettre sur le tapis. On va venir commencer avec des pointes des pieds, voilà. Pointe des pieds. Alors moi, je n'ai pas la possibilité de mettre de la musique, mais ce que je vous invite à faire, c'est de mettre de la musique de votre côté pour être bien motivé d'avoir un bon rythme. Allez, on n'hésite pas, on vient fléchir, on remonte, on met un peu plus de rythme. On vient pointer au sol, on peut exagérer le mouvement, on tourne, allez. On va venir rajouter les bras si on a envie. Dans 3, 2, 1, maintenant. Allez, super. Et si on le souhaite, on peut venir rajouter un petit saut. Allez, c'est très bien. On continue. On va poursuivre l'exercice avec les mêmes mouvements, mais les bras en direction du plafond. Dans 3, 2, 1, maintenant. Allez. Les sauts, c'est vraiment une option, hein. Vous pouvez faire le même exercice, le même mouvement sans les sauts. Allez, encore. On essaie de bien maîtriser le mouvement des bras. Encore. On va venir faire le même mouvement devant soi, les bras. Encore, encore. Allez, on s'accroche. Et on va venir relâcher les bras dans 3, 2, 1. On relâche les bras. On vient tout doucement reprendre le rythme avec les pointes de pied. Je suis essoufflé. Et on va venir poursuivre avec des talons-fesses. Talons-fesses, vous connaissez peut-être, on va le faire sur place. On essaye d'avoir un dos bien droit, sans l'abdominal bien contracté. Et on vient s'aider de ses bras. On essaye de donner du rythme. Allez, allez, allez. Talons-fesses. Allez, encore, encore, encore. Et on relâche tout doucement. Et on va venir poursuivre l'échauffement. On va écarter les jambes. Et si on le souhaite, on rajoute les bras pour faire des jumping jacks. Dans 3, 2, 1, go. Allez,
un beau petit échauffement pour terminer cette journée. Encore 3, 2, 1, on relâche. Super. Bon, ça c'était le beau petit échauffement. Alors, on va poursuivre la séance avec le bas du corps. Donc, premier exercice, un exercice que vous avez déjà vu pour ceux qui étaient présents lors de la dernière séance. Un exercice de la chaise. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir trouver une surface plane pour pouvoir venir vous positionner en chaise. Importance d'avoir les jambes à 90 degrés, le dos plaqué contre la surface. On peut rester dans cette posture ou en option se mettre sur la pointe des pieds. Si vous vous mettez sur la pointe des pieds, vous verrez qu'en fait, ça vient accentuer le travail au niveau des quadriceps. On va rester dans cette posture pendant 30 secondes. Allez, on s'accroche encore 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Super. Alors, on va poursuivre l'exercice avec des squats. Squat, très important quand on fait des squats, c'est d'essayer de garder en fait les jambes, largeur du bassin. On va venir prendre une inspiration, on descend, on fléchit, comme si on cherchait à venir s'asseoir sur une chaise. On essaie d'avoir un dos bien droit, sans l'abdominal contracté. On expire, on remonte. L'importance, c'est d'avoir des genoux en direction de l'ouverture, c'est-à-dire pas des genoux à l'intérieur. On descend, on remonte. On est OK ? Option, je viens faire des demi-squats si c'est trop compliqué. Ça vient travailler quand même la chaîne du bas du corps. Ou en option, je viens en squat, je remonte, pointe des pieds. On est prêt ? Allez, on part pour 25 répétitions. Allez. 3. Allez, on s'accroche. 9. 10 encore. On s'aide bien les bras. 8, 9, 10, encore 5, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, super. Maintenant, on va venir se mettre au sol. Pour l'exercice qui est au sol, vous allez avoir besoin de votre haltère. C'est un exercice de relevé de bassin où on va venir travailler principalement, bon, fessiers certes, mais surtout les ischios jambiers. Donc, je vous propose de venir vous mettre sur votre tapis. Alors, première série, on n'est pas obligé d'avoir son haltère. On le met si on a envie. Mais ça sera la deuxième série que vous allez le mettre. Je viens fléchir les genoux. Les pieds sont ancrés sur mon tapis. Je prends une inspiration. Je viens tendre la jambe droite. Et à l'expiration, je relève mon bassin. On essaye d'avoir les deux jambes bien parallèles l'une à l'autre. On redescend et on remonte. Et on va faire ça 10 fois. Allez, on s'accroche. Alors, ceux qui souhaitent mettre tout de suite l'haltère, c'est au niveau de votre bassin. Et on va venir changer de côté. On tend la jambe opposée. On descend, on expire, on remonte. Allez, 2, 3, on contracte bien les fessiers. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On relâche, on s'aide, on met les bras, les mains derrière ses genoux. On essaye de se relever. Bon, ben, ça, c'était la première série. Évidemment, il y a une deuxième série. Alors, pour la deuxième série, pareil. Moi, je prends mon medicine ball parce que c'est le plus lourd. On va faire l'exercice de la chaise. Et vous allez vous mettre, comme tout à l'heure, en position de chaise, pieds ancrés dans le sol. Voilà. Et on vient plaquer son dos contre le mur ou bien la fenêtre. On pose son haltère sur les cuisses. Et on part pour 30 secondes. Et allez, on s'accroche. Si ça pique, c'est normal. Et si ça pique pas, rajoutez les pointes des pieds. Allez, on s'accroche, c'est super. Allez, reste 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Super. Allez, on vient en pause de Medicine Ball. Et on va poursuivre avec les squats. Sauf que cette fois-ci, on va donner une petite orientation. En option, pour ceux qui le souhaitent, on va venir faire des jump squats. Jump squat avec mon anglais parfait. On vient pareil que tout à l'heure. On descend en position de squat. On s'aide de ses bras et on va venir ajouter un saut. Donc ça donne ça. Voilà. On essaye vraiment d'avoir un dos bien droit, sans que l'abdominal bien contracté. Alors, c'est comme vous voulez. On part pour 25 répétitions dans 3, 2, 1. Go! Allez, on y va. On s'accroche. On s'aide bien de ses bras. 4, 5, 6, 7, 8 encore. 11, 12, 13, 14, 15, allez. 3, 2, 1. Et ça, c'est fait. Bon, très bien. Allez, on revient au sol. Pareil que tout à l'heure, exercice qui vient travailler les ischios. La coach, elle n'est pas du tout essoufflée. Non, c'est pas du tout moi, être essoufflée, ne la reconnais pas. Allez, ouf. Pied ancré sur le tapis, genou fléchi. On vient rajouter une haltère sur son bassin. On prend une inspiration et comme tout à l'heure à l'expiration, on relève. On contracte bien les fessiers. On essaye d'avoir un dos aligné. Le dos, les hanches et les jambes parallèles. 4, 5, allez. 6, encore. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on reste comme ça. On s'accroche encore, encore. Et on relâche, super. On va faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Alors, pareil, je prends une inspiration et à l'expiration, je viens remonter mon bassin. Allez, on part pour 10 répétitions. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, on bloque, on reste dans cette posture, on bloque, on bloque, on bloque, encore, encore, allez, et on relâche. Ça, c'était la partie bas du corps. C'est le moment pour vous de venir récupérer avec une minute de récup. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller boire. Sinon, eh bien, vous pouvez transpirer comme moi sur place. Alors, pendant la minute de récup, je vais juste vous donner 2-3 conseils. Notamment par rapport au renforcement musculaire. Alors, le renforcement musculaire, ça fait donc, c'est la troisième semaine qu'on se retrouve en live. L'idée étant vraiment de vous donner des tips pour pouvoir travailler toutes les qualités nécessaires en course à pied. Et quand on fait du trail, parfois on peut partir du principe qu'il faut travailler principalement le bas du corps. Alors oui, mais pas que. Pourquoi ? Parce que quand on va faire du trail, on va avoir besoin du haut du corps, quand on utilise des bâtons notamment. Donc il est vraiment important de venir travailler tout ce qui est haut du corps, sangle abdominale et les bras. C'est pourquoi on va enchaîner avec une séquence haut du corps, principalement les bras, où vous allez avoir besoin donc, des haltères. Et notamment, moi j'ai la petite chaise, mais vous pouvez utiliser canapé ou bien rien du tout, je vous donnerai une option, ou bien un step. On est prêt ? Allez, on va venir prendre les haltères. Alors, c'est un exercice que vous avez peut-être vu lorsque sur la dernière vidéo qui a été diffusée via GoSport. C'est un exercice, en fait, normalement, qui peut se positionner assis, sprinter. Alors, je vous montre sans les haltères. Vous n'avez pas d'haltères, c'est pas grave, ça va venir travailler dans tous les cas. On prend une inspiration, on essaie d'avoir un buste gainé. On ne bouge pas, pas de mouvement du buste. Les genoux sont flex, ça veut dire qu'ils sont naturellement fléchis, hein, on ne vient pas verrouiller les genoux. On prend une inspiration et on vient faire des mouvements rapides, de plus en plus rapides au niveau du haut du corps. Ça va venir répéter les exercices nécessaires en course à pied. Et pour ceux qui le souhaitent, vous venez ajouter les haltères.
Allez, on va prendre une inspiration et à l'expiration, on y va. Allez, on essaie d'aller plus vite sans lancer les haltères, c'est mieux. Encore, encore. Alors évidemment, plus les haltères sont lourds, plus il est difficile de faire le mouvement. Ce qui est très important, c'est de garder un buste bien gainé. Allez, on s'accroche, on s'accroche. C'est un exercice qui pique, mais qui est nécessaire, que ce soit pour le trail, la piste ou bien la course sur route. Allez, encore, encore, encore. 5, 4, 3, 2, 1. On peut détester. Super. Allez. Quand on a fait cet exercice, on va venir poursuivre avec un exercice qui s'appelle le step climber. Encore un anglais irréprochable. Alors, sur cet exercice, plus vous avez un step qui est haut, plus l'exercice est difficile. Si vous n'avez pas de step, vous allez faire l'exercice, la variante suivante, à savoir moi ce que j'appelle un commando. On vient, jambes tendues, bras tendus, on prend une inspiration, à l'expiration, on vient faire des mouvements comme ceci. On vient se mettre en bras fléchis et après, on revient en bras tendus. Ça, c'est l'option si on n'a pas la petite chaise ou le petit step. Sinon, on va partir pour 20 répétitions de la manière suivante. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues ou bien on peut se mettre sur les genoux. Pareil, ça viendra travailler le haut du corps. Fesses contractées, sangle abdominale bien contractée également. Je prends une inspiration et à l'expiration, je viens me mettre sur ma petite chaise. Et je viens. Allez, et on continue. On descend et on remonte. 6. Allez, encore. On s'accroche. 10. Allez, encore 10. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 2. 1. Super. On relâche. On pose la chaise ou le step à côté et on va venir faire un exercice qui va venir travailler les triceps et qui va venir piquer. Alors, on vient se poser sur son tapis. C'est ce qu'on appelle le pont inversé. Alors, les pieds sont ancrés sur le tapis, les genoux sont fléchis, les mains regardent dans la même direction que mes pieds. Je prends une inspiration, je vais relever mes fessiers et je vais venir descendre, fléchir mes coudes. J'inspire, j'expire, je remonte. J'essaie vraiment de garder les fessiers bien contractés et on remonte. Ça vient piquer les triceps. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Et on relâche. C'est un exercice sympatoche qui m'assure que vous pourrez penser à moi la prochaine fois que vous le ferez. Ou pas. Allez, on poursuit avec les push-ups et rotations. Tout simplement des pompes et on va venir faire une pompe, on remonte, une rotation. Je vous montre. Vous venez vous positionner bras tendus, jambes tendues ou bien sur les genoux. Toujours très important d'avoir en tête que l'important c'est surtout de faire l'exercice correctement. Je préfère un exercice bien fait sur les genoux qu'un exercice mal fait, les jambes tendues. Je prends une inspiration, je descends, à l'expiration je remonte. Et je viens réaliser une rotation. On revient, on descend, on remonte et une rotation. C'est OK pour tout le monde. Allez, on part pour 10 push-ups, donc 10 pompes. On vient contracter toujours les fessiers, un dos bien droit. On part dans 3, 2, 1. Allez, go! On monte, on tourne. On monte, on tourne de l'autre côté. Allez, c'est bien. 3. 3, me semble-t-il, je vais en rajouter un. On ne sait jamais. 4. Allez, super. 5. 6. 7. Allez, on s'accroche, on s'accroche. 8. 9. Allez, encore un. Et 10.
le sprinter. Option, vous pouvez vous mettre assis ou bien debout. Toujours pareil, les consignes sont les mêmes. Je viens avoir les genoux légèrement flex, largeur du bassin, un buste bien gainé. Je prends une inspiration. À l'expiration, je viens réaliser des mouvements comme si je courais. Allez, on vient travailler les bras. Vous êtes sur une fin de course et vous essayez de relancer autant que possible. Allez, on s'accroche. Allez, 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 encore, encore, encore. Encore, on s'accroche. On souffle bien. On déteste en silence et on y va. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et ben voilà. Celui-ci, c'était la dernière fois pour ce soir. Ceci dit, vous pourrez toujours le refaire solo. Allez, on vient, on poursuit avec l'exercice où moi j'ai la petite chaise rouge. Pareil, avec ou sans, peu importe. Vous essayez de faire en fonction de vos possibilités. On part pour 20 répétitions, on est prêt. Allez, on part dans 3, 2, 1, allez, on y va. 1, 2. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est soit d'alterner la main qui monte, soit, moi tout à l'heure, ma main qui montait, c'était la main droite. Donc là, c'est ma main gauche qui est toujours la première sur la chaise rouge. 9, 10, allez encore. 13, allez on s'accroche. On essaie vraiment d'avoir un bassin qui ne bouge pas. On maîtrise, on contrôle son corps. 16, 16, 17, encore, encore, encore. 18, allez, on s'accroche jusqu'au bout. 19, 20, super. Ah, sympathique, cette petite chaise rouge. Et bien voilà, on poursuit avec l'exercice, le pont inversé. Vous vous souvenez, les pieds sont bien ancrés. Sur mon tapis, les genoux sont fléchis, les mains regardent dans la même direction que mes pieds. Je prends une inspiration, je viens contracter mes fessiers. J'inspire, allez, j'expire, je remonte. On part pour 10 répétitions. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, allez, on s'accroche. 8, 9, encore, encore, 10, super. On pose les fessiers au sol et on poursuit avec les pompes et rotations. Pareil que tout à l'heure, les bras sont tendus sur mon tapis, les mains ancrées sur le tapis, les jambes tendues. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte et rotation. Toujours bien contracter les fessiers et les abdos. 3, allez, on s'accroche. C'est la dernière fois que vous faites cet exercice ce soir. 5, 6, 7, 8, allez. 9 et 10. Allez, c'est super. On va venir prendre une inspiration. Allez chercher sa bouteille d'eau aussi, on a besoin de récupérer. Les bras piquent un peu, c'est normal. Alors, là, pendant la minute, pour ceux qui récupèrent, qui prennent le temps de boire, petit conseil pour les entraînements en trail. Alors les entraînements en trail, ce qui est important, c'est pareil, de varier. Pourquoi ? Parce que parfois, quand on fait du trail, on oublie qu'il est important, même dans la pratique du trail, d'avoir des séances de vitesse. C'est pas parce qu'on fait du trail qu'on ne cherche pas parfois à aller un peu plus vite. Donc on peut varier les entraînements en incluant dans son plan d'entraînement des séances de fractionnés. On peut aussi, en fonction de ce qu'on vise, de l'objectif, de sa compétition ou de son challenge perso, ni à rajouter des petites séances spécifiques.
Ça peut être quoi? Ça peut être par exemple un travail en montée, parce qu'on a besoin de travailler la montée, parce qu'on sent que ça peut être notre point faible. Travailler la montée, ça peut être aussi travailler la descente. Travailler la descente, ça veut dire être en capacité de pouvoir réceptionner la descente, l'exercice, être en capacité au niveau des abdominaux, notamment de pouvoir amortir les chocs du bas du corps. Donc quand on pratique le trail, effectivement, il est important aussi de faire de l'endurance, de faire du foncier, mais pas que. Allez, on va poursuivre avec les abdominaux. Premier exercice, on va venir se poser sur son tapis. Alors, c'est un exercice où vous allez avoir besoin de votre medicine ball. Alors, je prends mon medicine ball dans les mains. En option, les pieds sont légèrement sur le tapis. Ou bien, je peux, si je le souhaite, surélever. Toujours avoir un dos bien droit, sangle abdominale contractée. Je prends une inspiration et à l'expiration, je viens faire des mouvements comme si mon ballon il passait entre mes jambes et que je faisais du vélo sur place. On est OK? Allez, on va partir pour 20 répétitions. On y va dans 3, 2, 1, go! Allez, on s'accroche. On n'oublie pas de respirer, c'est très important. 6, 7, 7, allez encore, 8, 9, 10, encore, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19 et 20. Super. Très bon exercice. On pose le medicine ball et on continue avec le double crunch. Alors, on est allongé sur son tapis. On vient mettre les mains, soit les mains derrière sa tête, sans qu'elle se touche, c'est-à-dire ne pas accentuer l'exercice en venant plier la tête, hein, il ne faut pas se faire mal au cervical. On a les pieds ancrés sur le tapis, on prend une inspiration et avec l'expiration, je viens faire un double crunch. Ça veut dire que mes jambes montent en même temps que mon buste. Et on part pour 24 répétitions. On peut, si on le souhaite, faire comme je le fais, c'est-à-dire venir s'aider de ses bras plutôt que de les mettre derrière sa tête. Allez, on s'accroche. 6, 7, 8, allez encore. 9, 10, allez. 11, 12, 13, 14, encore. 10, 9, 8, 7. Allez, jusqu'au bout. On souffle bien quand on remonte. On prend le temps de faire l'exercice en fonction de ses capacités. Toujours. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On vient mettre les mains derrière les genoux et on vient se positionner assis sur son tapis. Troisième exercice qui vient de solliciter la sangle abdominale, c'est l'exercice de la chandelle. En option, vous avez la possibilité de vous accrocher à quelque chose. Pour ma part, non. Alors, on vient s'allonger sur son tapis. Les mains sont le long de son corps. L'on vient essayer d'épouser, le dos vient épouser au maximum le tapis. Je prends une inspiration et à l'expiration, je relève mon bassin. Mes pieds viennent toucher le tapis sur la pointe des pieds. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est venir faire relever le bassin en direction du plafond. Si je le souhaite en option, je peux venir relever les jambes en direction du plafond et les tendre en direction du sol. L'important, c'est de ne pas faire de creux au niveau du bas du dos. On part pour 20 répétitions, pareil, en fonction de son rythme à soi. Allez, on part dans 3, 2, 1, go! Allez, on s'accroche. Plus les jambes vont être proches du sol, plus ça va venir solliciter davantage le bas de vos abdominaux. 10, allez, encore 10. 9, 8. Allez, on s'accroche. Plus que 5. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Pareil que tout à l'heure, je
viens mettre mes mains derrière mes genoux, je prends une inspiration et l'expiration, je viens me mettre en position assise. Dernier exercice, la sangle abdominale, je vais venir écarter les jambes, d'accord ? Le dos est droit, la sangle abdominale est bien contractée, je prends une inspiration, je viens essayer de trouver mon équilibre dans cette posture. Et à l'inspiration, je suis dans cette posture, à l'expiration, je viens réaliser une rotation du buste. Allez, on s'accroche. 3, 4, si on le souhaite, si ça devient difficile dans cette posture, on peut, si on le souhaite, poser les pieds au sol. D'accord ? L'exercice se fera de la même façon. 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15 encore. De la sangle abdominale au gainage, par rapport au trail, à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, ce que je vous disais, c'était l'importance de venir diversifier, de varier vos entraînements, de venir travailler différemment. Ça peut, ce que je vous disais, c'était par exemple travailler les côtes, des descentes. Vraiment, ça c'est en fonction de votre objectif. Et ce qui est aussi important, c'est de venir croiser les entraînements.
Notamment, par exemple, quand on part pour un objectif, un trail, un ultra trail, on va peut-être pas faire sur sa sortie longue l'équivalent de ce qui est attendu pour l'objectif. C'est pour ça qu'en fait, pour augmenter le kilométrage dans la semaine, vous pouvez augmenter autrement. Vous pouvez l'augmenter notamment avec la pratique du vélo ou bien du home trainer. C'est important de venir croiser les entraînements, ça, c'est valable pour le trail comme pour d'autres pratiques sportives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus vous allez croiser, moins vous allez traumatiser au niveau de vos articulations. Sur ce, c'est reparti, hein, j'ai envie de vous dire. On va partir pour le gainage. Gainage, ma pratique, ma passion après la course à pied. Allez, on vient enchaîner les postures, comme vous avez l'habitude de le faire avec moi depuis 3 mardis de suite. Premier exercice, c'est l'exercice du Spider-Man. Toujours un anglais parfait. Les bras sont tendus, les mains sont ancrées sur votre tapis, les jambes sont tendues également. Je prends une inspiration et à l'expiration, je viens fléchir le genou et le coude du même côté. Je pars pour 10 répétitions. J'ai le dos bien droit, la sangle abdominale bien contractée et on me déteste évidemment en silence. 7, allez, encore. 8, 9, 10, super. Et là, on reste en planche. Donc, quand vous êtes en planche, ce qui est important, c'est d'avoir toujours les bras positionnés sous la ligne de vos épaules, les fessiers contractés, le dos bien droit, sangle abdominale aussi contractée. On reste dans cette posture. Les jambes sont tendues ou bien vous pouvez vous mettre sur les genoux. De cette posture, on va venir faire des mouvements circulaires du haut du corps. Le bassin ne bouge pas. Hein? On vient faire des mouvements tout petits. 4, 5, 6, 7, 8. Super. Sens opposé. Allez, on s'accroche. 1, 2, 3, 4. 5, allez, encore, 6, 7, 8, super. On vient faire un chien tête en bas, ça veut dire que je prends une inspiration et une expiration, je souffle et je relève mon fessier en direction du plafond. Je reviens en position de planche, toujours les bras sous la ligne des épaules. Je vais venir me mettre en position quadrupédique. De cette posture, les genoux ne touchent pas le sol. J'essaye d'avoir fessiers bien contractés. Je reste dans cette posture. Allez, on s'accroche. Dos bien droit. Allez, allez, allez. Encore 10 secondes. C'est rien, 10 secondes. Pensez à une fin de course. Allez, 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 encore. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, super. On vient se mettre bras fléchis sur le côté. Jambes tendues ou bien sur les genoux, pareil. Vous allez venir faire une rotation de votre buste. Vous essayez d'avoir toujours sangle abdominale bien contractée. Et on tourne légèrement. On va faire ça encore pendant 20 secondes. Et on viendra faire la même chose côté opposé. Allez, c'est super. Allez, encore 10. 5. Et on va venir se mettre en position bras opposés. Donc, je suis dos à vous. Vous faites l'exercice. Je vais juste me tourner de façon à être de face. C'est mieux quand même. Allez, encore. Allez, encore 9 secondes et on va passer aux étirements. 3, 2, 1, on relâche, on vient se mettre en position de planche, on pose les genoux au sol et on se pose position d'enfant. Les bras sont tendus au-dessus de sa tête, les fessiers sont sur les pieds. Je viens, j'étire, je prends le temps, je viens me mettre à plat ventre sur mon tapis pour venir étirer les quadriceps. Je prends une inspiration, à l'expiration, j'attrape mon pied et je viens étirer le quadriceps. Je reste dans cette posture et je vais faire la même chose du côté opposé. Je relâche, inspiration et à l'expiration,
Je viens attraper le pied. Super. Je relâche, je viens me mettre sur le dos. Allongé sur votre dos, vous allez venir relever une jambe. Je prends une inspiration, j'attrape l'arrière de mon genou et à l'expiration, j'essaye de tendre ma jambe en direction de mon buste. Le pied flex, il regarde mon visage et vous allez mieux étirer l'ischio-jambier. Je relâche, je prends l'inspiration, j'attrape le dessus de mon genou et à l'expiration, je ramène le genou en direction de mon buste. Allez, on va venir faire la même chose de l'autre côté. J'aspire, j'attrape l'arrière de mon genou. À l'expiration, je ramène mon genou en direction de mon buste. Je relâche, j'inspire. Et à l'expiration, je vais réaliser ce mouvement-là. Super. Je fléchis les deux genoux au-dessus de mon bassin. Je ramène mes genoux en direction de mon buste et je viens faire des mouvements d'un côté puis de l'autre pour masser le bas du dos. Je relâche les genoux, j'attrape l'arrière de mes genoux, je prends une inspiration et à l'expiration, je viens me mettre sur la position assise sur mon tapis. À l'aide de mes mains, je viens me mettre en position accroupie. Et je viens dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Les jambes sont tendues. Les bras, pareil, sont tendus. Je viens les croiser derrière mon dos. Je prends une inspiration, une expiration. J'essaie de relâcher mes bras. Le dos également. Je relâche tout doucement mes bras. Je continue de dérouler la colonne vertébrale. Je vais venir prendre une inspiration et à l'expiration. Tendre d'un côté, vous allez venir étirer vos obliques, vos bras, on relâche devant soi, je prends une inspiration et à l'expiration, côté opposé. Allez, vous avez fait une bonne séance, j'espère que ça vous a plu. Super, on va faire la même chose sauf que les bras vont aller en direction du plafond ou du ciel, en fonction de là où vous vous situez, je prends une inspiration. Je fléchis les genoux. À l'expiration, je viens tendre mes bras en direction du plafond. Je me mets sur la pointe des pieds. J'étire, j'étire, j'étire. Et je relâche tout doucement. Et la séance est terminée. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur ce live. Évidemment, qui sera reposté en IGTV. N'hésitez pas à m'écrire, à me faire un petit mot, ça me fera plaisir. Vous pouvez me retrouver, comme je vous l'ai dit, sur ma page Insta. Je suis en train de bugger pour attraper les... Ben, je peux pas. C'est pas grave. Je voulais mettre les commentaires. J'essaierai de regarder s'il y a des questions. Il ne faut pas hésiter en tout cas. J'essaie de répondre de mon mieux. Sachez dans tous les cas qu'il y a encore le challenge Mercure qui est en cours. N'hésitez pas à aller regarder sur la page de GoSport. Vous retrouverez toutes les infos là-dessus. Sinon, bah écoutez, ça a été un plaisir pour ma part de vous accompagner pendant ces 3 semaines. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Pour l'instant, on met une petite pause et je vous dis à très vite sur GoSport ou bien sur ma page Insta Suzy One. Bonne soirée à tous et à très bientôt.